nous allons nous tenir debout. On vient délivrer. Qui veut délivrer? Nous allons prier. Il faut que les démons partent de vos vies. Amen. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi? Je change ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Beaucoup de choses. J'arrive pas à tenir un travail. J'arrive pas à avoir un couple. J'arrive pas à quoi? À avoir un couple. Et un couple? Ouais. Quand tu dis chérie, c'est ça? Ça fait du bien. J'arrive pas à recevoir l'amour. Pourquoi? Les gens ne viennent, ils ne restent pas. Est-ce que tu les chasses pas avec les mains sur le pied? Non. Je sais pas. Bizarrement, il y a quelque chose qui se passe, il y a un blocage. Si j'avance vers la personne, je suis plus. Ouais, ton morceau là. Lison, vas-y. Tu sais.
puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Thank you.
prochain. J'aime bien qu'on loue, hein. Thank you.
son âme par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Oui, lâche-la. 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 C'est un âme. Allez, va-t'en. Va-t'en.
Thank you.
vous la prendre ici, la même, je vais vous la prendre. Lâche-la.
go. Dieu va te délivrer. Ça va, monsieur Nyakwa, ça va? J'ai appelé ta femme parce que ça fait quatre jours pratiquement. Le Seigneur me montrait beaucoup de choses sur votre vie. Et j'avais l'impression, dans le rêve, la vision que Dieu me montrait concernant ta vie. Il y a un esprit qui s'est accaparé de toi. D'accord? L'esprit, bien que tu viennes, c'est l'esprit qui revendiquait ta vie. L'esprit disait comme ça que tu lui appartiens. C'est une dame. Voilà. Un esprit. Et je crois que dans ta vision, c'est comme si on t'avait épousé avec l'esprit. Voilà. Donc, tu es contrôlé par ce démon. Non seulement ça, qui agit sur ta vie. Et qui agit sur la vie de ton foyer. C'est pour cela que je n'ai pas cessé d'appeler matin. J'ai dit à ta femme quand j'allais la voir pour parler de ça. Parce que sa fille est menacée. Voilà. On arrive au stade maintenant où l'esprit là, le démon là, hein, qui contrôle ta vie, n'est-ce pas? Et maintenant, tuer ta femme. Mais Jésus va vous délivrer. Amen. D'accord? Ça prend grave là. Où est sa femme? Viens, madame Gapa. Gapa. Madame Gapa est là? Viens, ma fille. C'est comme elle aussi, elle est impuissante. Je marie l'esprit dans ta vie. J'ai l'impression que c'est un homme qui te possède l'esprit de la sorcellerie. On aura l'occasion de parler tout à l'heure. Ok? Pourquoi tu es triste? Beaucoup de kilomètres pour arriver. Hein? Tu viens d'où? Allemagne. Mais Dieu t'a parlé. On aura l'occasion. Sinon, je ne reçois pas comme ça. D'accord? Ta délivrance n'est plus loin. Amen. Okay? Amen, amen. D'accord. Aujourd'hui, Dieu va mettre fin à cette difficulté dans votre vie. D'accord? Comment l'esprit vient dans ta vie? Je prononce le divorce maintenant. Je brise le divorce dans le nom de Jésus. Je prononce le divorce. À partir d'aujourd'hui, je prononce le divorce. Amène-moi tes enfants. Tous les enfants venez. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Non, laissez en délivrer papa, il est possédé. Hein? Les enfants peuvent regarder papa. Papa est possédé. Laissez-nous les libérer. Corps! Voilà, quitte sa vie. Je prononce le divorce à partir d'aujourd'hui. Tu quittes définitivement sa vie. Et dans le nom de Jésus de Nazareth.
Oui, la main de Dieu te libère ce soir. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Reçois ton miracle. Reçois le miracle de ta délivrance. Oui, reçois le miracle de ta délivrance dans le nom de Jésus. Oui, reçois. L'esprit part. Tu n'as pas trop de paix dans votre foyer, ma fille. Pas là. Tu te méfies beaucoup de lui aussi. Tu as peur. Hein? Après, quand elle t'a dit, bon, je vais ramener un peu la peine. La méfiance est là. Mais je lui dis à chaque fois, parce que l'esprit. Tu te menaces. Il me menace beaucoup. Je lui dis, mais il refuse. Il dit que non, ça vient ma famille. Non. Tu as vu que je parlais avec toi matin. C'était tellement sérieux parce que ta vie était menacée. Était menacée. C'est cela que c'est important de peut-être connecter au Père. Quand vous êtes connecté. Pas en profiter pour dire, monsieur, tu as vu, le prophète a parlé, maintenant c'est toi le possédé. C'est toi le possédé. Hein? Faut l'aider. Souvent on a les révélations, on ne peut pas me donner parce qu'on dit, mais voilà, le prophète maintenant il a la révélation, c'est toi qui es possédé, c'est pas ma famille. C'est pour installer quelque chose. Parce que l'esprit était. J'ai vu deux visions pendant que j'ai prié. J'ai prié pour vous, hein. Amen. C'est pour ça que c'est important d'avoir une église. J'ai prié pour vous. Donc s'il y a quelque chose, Dieu va m'alerter. C'est pour ça que celui qui veut intégrer l'église, ou être responsable de l'église, ne manquez pas au rendez-vous du samedi prochain. Le samedi prochain, inscrivez-vous déjà. Après le culte, inscrivez-vous. On va se rencontrer. Chacun aura un rôle dans l'église. Ça, c'est important. On va la structurer. Ça fait un mois d'existence, on va la structurer. L'église t'appartient, elle appartient à tout le monde. C'est ça l'église. Un ministère, je peux venir gérer ça avec mes proches. Mais l'église, c'est tout le monde. Comme ça, tu auras une responsabilité. On va vous suivre, on va vous encadrer. Amen. Il y aura encore bientôt vague de baptême, on va vous baptiser. N'est-ce pas? On va essayer de vous suivre. Parce que si on ne vous suit pas, parce qu'il y a les délivrances qui viennent progressivement. Il y a des choses qui peuvent avoir ça instantanément. Et il y a d'autres, par contre, leur délivrance vient progressivement. C'est pour ça que connectez-vous et soyez fidèles à l'église. Continuez de venir, continuez d'espérer. C'est ça, persévérer dans la prière. Ouvrez la main de Dieu se manifester. Chaque fois qu'on prie pour vous, il y a des forteresses qui tombent. Chaque fois, ne dites jamais que non, rien ne s'est passé. Si, quelque chose s'est passé dans l'esprit de Dieu. Amen. Il y a eu quelque chose. Si tu avais X délivré, mais vous n'êtes pas la même destinée, vous n'êtes pas la même forme d'esprit qui règne. Et donc, toi, il faut croire qu'un jour, ça ira pour toi. Ça va? Il faut qu'il arrive au Centrafrique depuis là, vos menaces de guerre là, et ça va pas tarder. Hein. Voilà. Je suis en train de prier depuis un moment, je prie beaucoup pour Centrafrique. Oui, parce que c'est un pays. Je vous donne la révélation de Centrafrique. Centrafrique occupe un truc stratégique en matière minière au niveau de l'Afrique. C'est cela qu'il n'y a pas depuis un moment, il y a l'instabilité. Vous voyez l'instabilité dans un pays, c'est ça. Priez pour nos frères centrafricains. Amen. Je dis pas bah, non. Et puis priez pour la Côte d'Ivoire. Parce que aussi, parce que. Ce qui arrive bientôt, c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ainsi parle l'Éternel. Je ne suis pas politicien, je prie pour la Côte d'Ivoire. Mais ce qui arrive à l'horizon n'est pas bon. Ma nation. J'ai peur. J'ai peur. Parce que quelque chose qui ne va pas finir maintenant. Ça va se déclencher, ça va mettre du temps pour finir. Que Dieu nous aide. Amen. J'ai un amour exagéré pour l'Afrique. L'Afrique est notre continent. Laissez-nous en paix, les frères. Laissez-nous vivre notre paix. Laissez-nous. Nous avons nos parents là-bas, nos aïeux. Nous avons nos. Laissez-nous. Laissez-nous. Se développer à quoi? Vous êtes développé. Laissez-nous se développer. Combien? À quoi des petits trucs là? Ah vous dites, hein? Si elle dit beaucoup va rester. Ah bon, petit truc là. Allez-y, laissez-nous. Vous avez tout mangé. Amen. Amen. Prions beaucoup pour l'Afrique. Amen. Amen. Moi, je ne fais pas la politique. Mais je suis contre l'injustice. Le mal. Il faut que ça s'arrête à l'Afrique.
Je n'aime pas les gens qui aiment activer les gens sur les réseaux sociaux, insulter les gens là. Je n'aime pas. Moi, la seule chose qui peut aider l'Afrique, mettons-nous en genoux. Si nous ne prions pas, malgré les trucs, le système va rester tel. Il dit, si mon peuple, si qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie, je l'exaucerai. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous lisons le livre de Jacques. Prions pour notre nation. Prions pour nos nations. La guerre qui va démarrer en Centrafrique, elle ne pourra pas s'arrêter. Elle mettra encore des années. Vous le libérez, c'est petit. C'est pour cela que je vous ai déjà alerté. Mais je pense que Dieu va nous exaucer. Vous vous disiez non, tant. Or, c'est vous-même qui crise. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Que Dieu nous aide. Amen. Nous sommes dans un monde injuste. Ça nous dit rien. Tandis, ça dit rien aux gens que les gens meurent. Priez aussi pour le Cameroun. Amen. 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 Nous devons prier pour le Cameroun. Parce que ce qui est en train de se passer aussi là-bas, c'est grave. C'est très grave. Quand on va commencer à atteindre la Douala, là-bas, c'est fini. C'est que c'est fini, ils ont commencé à posséder. C'est grave. Suivez l'actualité et priez pour la nation. Priez. Nous voulons une Afrique qui se développe. Nous voulons une Afrique que Dieu nous aide. Amen. Malheureusement, nos gens sont dans la sorcellerie. Ils sont dans l'occultisme. Amen. Amen. Selon prière. Moi, j'appelle mes collègues. Je leur ai dit, arrêtez de rentrer dans la politique. Nous, les hommes de Dieu, le ministère, c'est apolitique. Mettez-nous en dehors de la politique. Regardez ceux qui peuvent parler, parler. Mais nous, nous avons une âme très puissante, c'est la prière. Amen. L'âme que nous avons, c'est la prière. Peu importe les politiciens, c'est un homme. On va pas donner notre foi à quelqu'un, il va nous trahir un matin. Amen. Parce que c'est un homme. Il est influençable. Même s'il a tous les grands projets de politique, mais de développement plutôt. Mais prions pour que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, établisse de l'ordre. Amen. Il est capable de le faire. Amen. 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 Il est capable de le faire. Moi, je peux aller parler aux dirigeants, mais en dehors de moi, la politique. Je n'aime pas ça du tout. Quels sont ceux qui ne m'ont pas approché? Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui m'écoutent. Je dis, je ne rentre pas dans vos jeux. Si vous voulez m'aider, il y a des enfants orphelins, donnez l'argent, on les manger. Vous, je ne vous suis pas. Voilà. Je suis l'Éternel, mon Dieu. Amen. Et je prêche l'Évangile. Amen. La Côte d'Ivoire, c'est à nous. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir mes propos déplacés vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Je sais beaucoup de choses. Mais je sais une seule chose. Ce qui peut régler la chose, c'est la prière. Amen. Voilà. Ce qui peut régler la chose au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de Centrafrique, au niveau, c'est la prière. Les gens ont marché au Togo. Ça apporte quoi? Changer de stratégie. Amen. Amen. Oui, parce que quand on met une stratégie en place que ça ne marche pas, changez-la. Dites aux gens, allez-y dans les coins où on prie. Décrétez une semaine de prière, vous allez voir. La tendance va changer. Amen. Vous faites tout sans lever la main. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si vous voulez voir Togo délivré, mettez-vous en prière. Parce que ce pays a besoin d'être délivré. Il faut que l'Afrique soit délivrée. Nous sommes au 21e siècle, 2018. Que ça s'arrête, cette histoire. Nos parents ont vécu ça, nos enfants ont vécu ça encore, c'est quoi ça? Les gens parlent de mondialisation, globalisation, c'est là non pas de traités de paix. C'est quoi ça? Comme on est au Moyen-Âge. Et ils sont en train de se mettre ensemble, globalisation, mondialisation, pour se développer. Et c'est là nous on va tisser les traités de paix, non, tout ça, on va faire la paix. Avec qui? Amen. Amen. Mettez-vous en genoux. Chaque fois, je suis dans la prière. Non, j'ai dit mettez-vous. Vous avez vraiment la discipline. Si vous voulez que Dieu change les choses, mettez-vous en genoux. Priez pour que Dieu change les choses. Amen. Amen. Il faut que Dieu change notre Afrique. Amen. Amen. Vous voyez un pays à la tête, un chef d'État.
si dévie, il a été, c'est les démons qui l'ont mis comme ça, en déroute. Vous allez beau parler, il est toujours sous l'influencé par les esprits. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, priez, pour que les choses changent. Vous allez beau manifester, si l'Éternel n'est pas dedans, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel n'est pas dans une affaire, vous allez mettre vos stratégies en œuvre, ça n'aboutira jamais. Amenez les gens, convoquez-les devant le trône de Dieu. Vous allez voir les choses changer. Mettez-les devant le trône de Dieu. Chaque fois, dis Seigneur, regarde mon pays, regarde ma nation, regarde l'Afrique. Seigneur, agis. Que ton esprit habite ces personnes. Que ton esprit sait agir. Alléluia. Amen. Dieu, il agit dans le silence, il agit dans le secret. Amen. Amen. Alléluia. Que la mère de Dieu vous libère ce soir. Que la gloire de Dieu vous libère ce soir. Que la mère de Dieu. Je vais revenir, hein? La semaine, on va régler. C'est Manuel, non? Ah bah, ça va. Manon, ça va. Jésus, ça va. Jésus est réel, papa. Papa est tombé, il est possédé. On va le délivrer, ça va. Les enfants, ils ne voyaient pas, ils savent pas. Oh, papa, il est possédé. Les enfants, derrière le papa, le papa est possédé. Que Dieu bénisse. Voilà, tout à l'heure, on va vous prendre, je vais vous expliquer quelque chose ensemble. Mais il ne faut pas faire la guerre pour dire, ah, tu as vu, non, le prophète dit, tu es possédé. Tu es possédé, tu es possédé. Touchez vos têtes. Que la main de Dieu vous délivre ce soir. Que la main de Dieu vous délivre ce soir. Recevez la grâce et la puissance, main de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est que tu sois aussi béni. Le souhait de Dieu, c'est que tu ressens aussi l'onction de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est que tu puisses aussi être utile pour le royaume de Dieu. Amen. Pendant que ta main est posée à ta tête, Dieu envoie une onction particulière sur toi. Et quelque chose se passe dans ta vie. Cette onction change maintenant ton existence. Depuis ta tête jusqu'à les plans de tes pieds, la main de Dieu. Une onction particulière, quelque chose qu'on appelle l'onction de Dieu. Te visite, la main de Dieu te touche. Recevez la puissance de Dieu. Recevez. Je me lave, Dieu te guérit maintenant. Dieu te guérit maintenant. Là où tu as été, Dieu te guérit maintenant. Là où tu es, Dieu te guérit maintenant. Une onction de Dieu te guérit. L'esprit te libère. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Je prie que Dieu vous donne son esprit. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Il dit, vous recevez des puissances et vous serez mes témoins. Vous recevez des puissances et vous serez mes témoins. Nous voulons être une armée de Dieu pour déstabiliser le royaume, le système de la sorcellerie, le système mis par le diable dans ce monde. C'est cela que maintenant, pendant que je prie, Dieu te touche. Dieu répand son esprit sur toi. Dieu te touche là où tu es. Dieu vous accorde des dons. Dieu vous accorde son esprit. Dieu vous touche. Vous accorde des dons. Et que Dieu vous ouvre les yeux maintenant. Et que le Dieu de vision, Dieu vous ouvre l'esprit. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Une notion particulière. Comme si vous êtes une armée de Dieu. Recevez ce soir. Reçois là où tu es. Reçois. Dieu te dit ce soir. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Reçois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu vous touche maintenant. Recevez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la gloire 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 de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous touche. Dieu vous touche. Voilà. Venez ici, s'il vous plaît. Quelqu'un ici. Aidez la soeur. Aidez la soeur. Aidez-la. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Recevez une onction particulière. Le Saint-Esprit vous habite maintenant. Vous recevez une puissance qui est le Saint-Esprit. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu en vous. Recevez la puissance de Dieu en vous. Recevez cette présence de l'Esprit de Dieu. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Recevez la puissance de Dieu. 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 Reçois
Recevez la puissance de Dieu. 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 Recevez. Recevez la grâce de Dieu sur vos vies. Recevez la grâce de Dieu sur vos vies. Est-ce qu'on peut clamer Jésus?